Alors bonjour à tous, je suis avec Croutel qui est avec moi, qui va nous expliquer comment jouer à Fortnite, parce que ça fait plus de 30 ans que tu joues à ce jeu, je crois. 28 ans. Donc à bien poncer le jeu, on peut considérer que t'es un PGM. Un PGM, oui. PGM. Petit joueur. Joueur avec un G. Bon, mais... petit joueur mauvais. D'accord. Donc, on est dans les menus. Ah, visiblement, bah. Tu es encore au niveau 1. Il y a les nouvelles versions qu'il faut qu'à chaque fois jouer. Ah, c'est les mises à jour. C'est... Donc, en 30 ans, tu as gagné 17 points de compétences. C'est pas mal. Tu interprètes une femme. Oui, j'étais un très fortiche en Tomb Raider. Donc... Voilà, tu as pas mal speedrunné Tomb Raider pendant une bonne période. Allons-y, tout de go, retrouvons notre chère Lara Croft. Attention mes amis, Taillou, le parcours est semé d'embûches. Vous êtes prêts? Oui. Go. Se rétracter. Alors là... Ah non, ah, non. On va pas me rétracter. C'est pas notre genre. Non. J'ai plutôt envie de dire tant mieux que vous ne soyez pas du genre à vous rétracter, parce que peut-être que je ne serai pas là. Alors les touches. Q. Alors le Q. On va faire toute une petite section sur la lettre Q. Là, vous voyez, c'est à faire des petits pas de sur la, pas de côté, sur la gauche. La lettre D, c'est pour aller à droite. Pas la mal. Lettre S pour reculer. Oui, donc ils ont pensé à toutes les directions. Oui, oui, oui. Hello, guys. Yes. Qu'est-ce qu'elle veut? Qui nous parle? Hello. 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 C'est Croutel, le PGM. Who are you? Abonnez-vous. Alors donc on est dans un bus là, c'est ça? Je suis dans le bus. Ok, d'accord. Il y a les gens qui sautent, les compétiteurs, il y en a 100. Et moi je saute en dernier. Let's go. J'y vais. D'accord. Je cherche un petit coin tranquille. Ah, ouais. Parce que nous sommes dans une équipe apparemment. Oh bah c'est nouveau ça. Avec Croutel. Ouais. Ils ont mis les pieds. Je sais pas s'ils vont être capables de nous suivre. Alors là, vous avez déployé un petit Oui, je vais me poser sur le petit monticule. Là. Je vais me faire un petit peu de bois, parce que j'aime bien avoir du bois d'avance. Pour se chauffer. Pour me chauffer, voilà. D'accord. Sion, du bois. Attends, arrête de déconner, la guerre est commencée, là. Oui, je voudrais aller ah oui, il faut aller au centre du rond. Au centre du d'accord. Rond. D'accord, chutez, là. Oh là. Ouais, mais il y en a un qui s'est fait descendre, les gars. Ah, oh, l'équipe, là. Allô, allô. Il y en a un mort. Ah, faut se battre. D'accord. Mort. Le cyclone, ça suffit pas, il faut aussi s'entretuer, d'accord. Maintenant, il faut peut-être que je me trouve une arme, donc je vais essayer de trouver... Ah. Il y a des cabanes... Lance-pierre. Dans lesquelles... Non, des vraies armes, des conports. Ah, des vrais pétoirs, oui. D'accord. Il y a des fusils mitrailleurs, il y a tout, hein. Eh ben, c'est un jeu violent, hein. Il y a des bazookas. Non, c'est pas violent. Ah, hein. Non. Bon. Il y en a déjà 42 morts, je suis toujours là, moi. Les autres, ils avancent à toute vitesse au milieu pour se construire une vraie cabane, quoi. D'accord. Tandis que moi, je suis cool. Alors, vous savez construire, vous? Non. Je crois que c'est... faut appuyer sur une touche. Bon, alors, on fait quand même un tutoriel, hein, donc je suis obligé de dire aux gens... Ah oui, pardon. Appuyez sur une touche. La tempête arrive en violet. Oh là là! C'est une hécatombe. Votre équipe compte sur vous. Apparemment, vous êtes le seul survivant. Et là, j'ai... Oh! Je me suis bourré. Ah, y a, j'ai vu une silhouette. Regardez là. Oh putain, j'ai peur. C'est, je suis sûr, je suis mort. Ah bon? Oh là, là c'est planquette. Hein. On n'arrive pas à sortir du mode ingénieur. Un B c'est pour danser. C'est pour intimider l'adversaire peut-être. Oui, ça le okay. Fait. Donc ils sont. Il est dépaysé. Bon, j'y vais comme ça. Tant pis, on y va en mode je ingénieur. Je foutrai des coups de crayon, et puis c'est tout. Oh là, la tempête. Bah, hey oh là, vous oh avez vu ça? Oh là. Oh, vous y connaissez un peu quand même, hein. Pas du tout. Jamais joué. C'est vrai? Ah, jamais. Oh, je pense que vous seriez bon. Mais je peux rien péter, j'ai plus qu'un crayon pour péter. Ah, on est bloqué en crayon, là. Ça se resserre sur une ville. Là, il fait ça chaud. Ça finit en mode urbain, donc c'est chaud, combat de rue. Là, ça va être chaud. Il va y avoir des constructions bizarres en train de se faire, là. Ok. C'est tous les concurrents qui restent, qui se font des bâtisses pour se protéger. Des bâtisses. Avec, c'est des bâtisseurs. Alors, soit en pierre, soit en bois, soit en métal. Ah, comme les trois petits cochons. Oh là! Oh là! Oh là! Oh là! Oh! C'est la mort. Oh merde! Ah, et là, il fait une bâtisse. Alors, lui, il maîtrise. Ah, d'accord. Ça doit être un ingénieur. C'est une complexité, ce jeu. Non. Ah, non. Non, non ça, c'est simple. Faut essayer. Faut essayer. On s'y sent bien. Voilà, d'accord. Vous voyez l'autre abruti, là, il s'est mis en haut, là. Par contre, là, vous êtes en train de prendre le parti de la personne qui vous a tué. Non. C'est la personne qui vous a tué, donc vous ouais, devriez mais là, nourrir une certaine rancœur. Non, pas vraiment. Oh, non. Non. C'est à la loyale, par derrière. Tiens, il y a un ballon. Il y a une sphère. Alors, je sais, ça, c'est un mystère, les ballons pour moi. Il y a des ballons qui apparaissent comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Il va dans la tempête. Ah, il y a du matos là-dedans. Ah, c'est des caisses avec des munitions. Des loutres, on appelle ça. Des loutres. Des loutres. Des caisses. Des caisses. Munies de loutres. Oh là.
Comment que c'est... Ah oui, je suis dans la zone de préparation. Ouais, j'ai eu un petit moment de frayeur, mais ouais, en fait, il n'y a rien. Non, j'attends mon bus. Regardez les autres qui dansent. Danser, moi aussi je suis dansé. C'est entraînant, hein. Allez, tac. Cette fois-ci, on est en mode solo, hein, on n'est pas en équipe. Donc, on va descendre, Z, Q, en toutes les touches. Donc. Ah bah moi, des fois, j'hésite. Hein, c'est... Il y a déjà 6 personnes de décédées. Hein. Oui, donc, pour vous montrer la puissance de la personne avec qui je me trouve, vous aimez bien aller dans les arbres. Voilà, on ne voit pas. Ah ouais. C'est très malin, ça. Vous voyez, il y a un abruti, là. Les autres joueurs, c'est les abrutis, on appelle ça. Vous pensez qu'ils mettent des joueurs de haute qualité comme vous sur la même carte ou c'est n'importe quoi? Ah oui, oui. Là, ils prennent les bons joueurs pour mettre avec vous. Ça leur permet de prendre des sons. On va rentrer dans le petit bâtiment. D'accord. Tout de go. Sympa. Oh. Tout de go. Oui. D'accord. Des expressions, donc, tout de go. Datées. Ah oui. D'accord. J'ai le droit. Vous avez tous les droits. Quand on possède votre puissance de feu comme ça. Il y a une arme là et vous ne la prenez pas. Je la vois pas. Non, elle est pas. Ah oui, oui, elle est. Elle est trop loin. Ça... Oh là, quelqu'un vous tire. Oh, mince. Vous m'avez distrait avec ce pistolet. Voilà, oh mais je marche sur les barres. Ah, c'est pas vous, c'est ça, c'est moi. La personne qui vous a oui, tué. Oui, elle m'a tué. Ah. J'étais jamais venu par là, je connais pas. Mais c'est pas vous donc. Non, c'est vous pas moi. Toujours pas venu par là. Alors, on va relancer une partie parce que j'ai. Dernière. Pas, j'ai quand même pas pu montrer tout mon talent. Une autre technique que je vais vous montrer. Je vais sauter le dernier. Le dernier. Au dernier moment. D'accord. Quand je vais sauter, il y en aura déjà des morts. Bon, pour le risque, il y a peut-être d'autres gens qui fassent cette technique. Oh ben oui, ça c'est évident. Ouais, c'est... Parce que c'est intelligent. Donc, Il y a une petite église là-haut, elle est mignonne. Ah, il y a des armes là-dedans. Bourré d'armes. Mmh. Ouais, l'église, c'est bien. Vous voyez, 66e déjà. C'est impressionnant, vos qualités de joueur. Il faut avoir l'œil partout. Hein. Surtout sur le chiffre. Oui, le nombre de morts. Pour avoir le nombre de morts. Ah, c'est très joli comme plan là. C'est beau, hein. Oui, on a pas un peu de pouce dans la bouche. Oui, oui, mais bon. Mais il n'y a pas de porte, aucune fenêtre. C'est mal fait, hein. Ah, mais il y a une arme. Ah, mais il y a une arme. Ah, vous faites tirer dessus. Oh là là, oh là là. Oh, c'était un piège. C'est un excellent joueur qui vous a tué, j'en suis sûr. Bon, vous avez vu les techniques. Voilà, on a bien fait le tour de toutes les techniques. Voilà, de pro. La danse, la planquette, fraguer des loutres. Ça, c'est des armes violettes, elles sont fortes. Ah ouais, ah ouais. Pourquoi? Parce qu'elles sont violettes. Mais j'ai pas accès, moi. Non, malheureusement. J'ai pas ma philosophie des armes. Voilà, c'est toute une frange du jeu Fortnite qui existe, c'est les gens qui ne sont pas violents. Voilà, moi et qui préfèrent passer un bon moment. Essayer de s'en sortir, quoi. De gambader, quoi. Voilà, gambader. Faire tout ce qui est Bambi, quoi. Bambi, c'est un peu vexant. Excusez-moi. Écoutez, on va vous laisser. Merci beaucoup, j'espère que vous avez appris plein de choses avec Croutel qui a fait la gentillesse de prendre sur son emploi du temps très très serré de joueur professionnel. Je suis très demandé pour jouer en équipe. De convention en convention, d'équipe en équipe, de la Corée du Sud, j'ai vu il n'y a pas longtemps, enfin pas mal de championnats. Donc je vais vous laisser reprendre votre avion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. À la prochaine. Merci d'être venu. La danse. Ah oui, la danse. Faut danser comme sur l'air.